Je travaillais à Paris cet été et je faisais des recherches sur Internet et je suis tombée par hasard sur le jeu concours et en fait ça m'a intéressée, je suis allée voir voilà, c'est comme ça que j'ai connu le jeu pour gagner, pour aller aux Canaries. En fait, je suis allée sur la page, j'ai vu qu'on pouvait partager le jeu sur Facebook avec ses amis, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai partagé le jeu plusieurs fois et avec toi et j'ai joué comme ça pendant quelques semaines et puis et c'est comme ça que je pense que j'ai gagné le jeu. J'ai choisi Lanzarote parce que j'avais l'impression que c'était une île à part dans les Canaries. J'ai regardé les vidéos sur le site des îles Canaries et vraiment Lanzarote ça avait l'air d'être lunaire, ça avait l'air d'être vraiment, ça avait l'air d'être quelque chose que j'avais jamais vu encore et ça m'a vraiment attirée et c'est pour ça que j'ai choisi Lanzarote. Du coup, j'ai gagné le jeu, je pars avec mon copain et on va être tous les deux là-bas pendant une semaine et ça va être super. Dès l'atterrissage, c'était vraiment dépaysant. Et oui, la température nous a beaucoup surpris, on pensait qu'il ferait beaucoup plus froid. Toute l'île est dépaysante. Moi, personnellement, ce qui m'a le plus surpris, c'est les plages de sable noir. C'est impressionnant, quoi. Moi, c'est toute l'étendue de coulées de lave qu'il y a sur plusieurs kilomètres, des dizaines et dizaines de kilomètres. Je crois vraiment sur la Lune, enfin, c'est vraiment impressionnant. Alors on a fait du trekking dans les volcans. Ouais. On a visité un domaine viticole. On est allé au Mirador del Rio. Un magnifique panorama sur l'île de Graciosa. On a fait un tour en bateau aussi sur un voilier c'était extraordinaire. C'était super. On s'est promené, on a vu les plages de sable noir, des plages de sable blanc. On a découvert des super plages. C'était super. On a vraiment adoré la cuisine typique, c'est délicieux. On a goûté les vins, les fromages, les pommes de terre cuites au sel. Les papas. Le vin blanc, il est extraordinaire. Tout est calme, les gens sont gentils. Les gens sont très gentils, ouais. On a l'impression qu'ici, vraiment, le temps s'arrête. C'est tellement agréable qu'on a envie de revenir. En fait, on n'a pas envie de partir déjà.